Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Mohamed. Salut. Et je vous demanderai comme d'habitude les abonnés un tonnerre, non pas d'applaudissements parce que comme je dis souvent on peut pas vous entendre, mais un tonnerre de likes parce que ceux-là on peut les voir. Ça ferait extrêmement plaisir, j'espère juste que cette vidéo ne sortira pas pendant les bugs YouTube, que vous allez pouvoir tous recevoir la notification, parce que c'est important, on veut reprendre la série qu'on faisait il y a quoi, il y a un an et demi, deux ans maintenant. Et en plus, j'ai vu qu'en ce moment, j'ai eu pas mal de demandes, parce que l'une de mes plus grosses vidéos était un essai de ne pas rire des pires fails avec Momo, et la vidéo est pratiquement à 4 millions de vues, et la vidéo fait à peu près entre 10 000 et 15 000 vues, alors que la vidéo était sortie en novembre 2016. C'est incroyable, la vidéo elle fait entre 5 à 10 000 vues par jour. Je reçois énormément de messages dans l'espace commentaire de cette vidéo qui est devenue l'une des vidéos les plus populaires de ma chaîne. Beaucoup me disent tonton refais. Et en fait j'ai regardé sur la chaîne, ça faisait en un an, et ben j'avais fait qu'un seul essai de ne pas rire et c'était avec l'IA. Donc tout ce qui est essai de ne pas rire, les fails, on va reprendre, mais c'est à vous de nous montrer que vous voulez revoir ça sur la chaîne. Et du coup, montrez-nous à fond que vous voulez revoir ça. Et pourquoi pas vous refaire les pires fails et les essais de ne pas rire, comme à la bonne vieille époque, avec de l'eau dans la bouche, ou même des fois en modifiant les boissons qu'on peut avoir dans la bouche. Avec de l'eau, avec du coca, avec du lait, avec de l'harissa, des trucs comme ça, vous voyez. Avec de l'harissa? Non mais avec de l'harissa mélangé avec de l'eau, frère. Ça serait hardcore. Bref, dites-nous ce que vous en pensez. On pourrait mixer ça pour vraiment bah, vous faire marrer aussi, parce que non seulement vous aurez du coup bah, la compilation qui vous fera marrer, mais vous aurez Momo qui va avoir les yeux brûlés parce que j'aurai crassé de la rixa dans la gueule. Bref, n'oubliez pas, voilà, vous likez, vous nous montrez. Et moi, j'aime bien ce concept, mais j'aime bien aussi un petit peu le modifier. D'accord? Parce qu'avant, vous vous rappelez, il y avait de l'airsoft aussi. À l'époque, bah, celui qui rigolait se prenait une bide airsoft. Maintenant, sur internet, sur YouTube, t'as plus le droit quoi. Tu fais ça, t'as plus de chaîne. Bref, du coup, vas-y. Je disais truc, oh le sirop de fraise, t'imagines, ça colle et tout. Non, mais ça peut être marrant, ça peut être marrant. Truc. Aux abonnés de nous montrer qu'ils veulent revoir ça. Bref, t'es parti, t'es chaud, t'es. Go! I'm ready. Voilà, I am ready. Yes. Go! Oh. Ok, ça commence bien le skin. Wow! Il a balayé. Ah bah, ça, c'est Momo quand on l'invite au bowling. Hein. Il a tué le haut du bowling. Ah, la copine de Momo. Ça claque. Oh putain. Oh, il y a l'épouvantail. En plus, non, il y a des pierres. Ah, attends, il y a des épouvantails, il y a ton pote. Il y a des pierres, elle aurait pu se faire mal par contre. Là, je dis, moi, c'est toi qui va tomber. Il va péter tout le tour. Ça va, il a pété qu'un bout. Elle s'est allongée au câble dessus. T'as acheté quelque chose de rien, hein. Wow, d'accord. Un peu raté. C'est un vélo, hein. En plus, elle a pas l'air profonde. Ah, on en a là. Putain, il est chaud, le con. Regarde, il est chaud. Mais il est trop chaud le truc. Est-ce qu'il y a une remise des... Il essaie de la tendre en rage ou il essaie de faire quoi? Oh non. Ça fait mal rire. J'ai demandé à ce dude quelle size il a besoin dans ses chaussures. This size. I have to find the shoe that fits in the print. How the f***? Je comprends pas. Ouais, moi non plus. C'est pour ça que je t'ai regardé. Pour voir si tu comprenais. Oh putain. Je sens que la barre. Non. Ça va, il a pas le droit. Tu rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi, mon pote? J'ai mal pour lui. Not having your hair and your makeup done, you couldn't cope. Putain, je sens la connerie. Ce genre de vidéo, ça me rappelle un peu les vidéos gags d'avant. Oh putain! La meuf elle a aucun appui, frère, elle a même pas sauté. You got your first win where? What are you saying? On dirait Dorian qui pleure durant notre petite soeur. You got your first win. Je comprends pas, mais des descriptions. Why are you crying? Ah voilà, c'est ça quand t'apprends pas l'anglais à l'école, mon con. It's like, but why are you crying? Congratulations. Il fallait arracher le papier aussi. Wow! Wow! Ah ouais.
Oh putain, il est pas content. Ah, c'était pas un papy, c'était un jeune. Je croyais que c'était un papy, moi. C'est un mec qui va vouloir se la péter avec sa lambeau. Désolé, mais moi je vois même pas là, je suis encore à la Lamborghini, frère. Moi j'ai mal à... là, j'ai mal à ma YouTube Bonnie. Mais t'as fait trop mal! Ah, la daronne, qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, ouais, elle s'est pris le truc dans le huc. Ouais, bah, tu m'étonnes. Ah, mais heureusement que c'est pas tombé sur son genou, frère, parce qu'au bout d'un moment, elle a plié le genou. C'est un peu trop lourd. Ça, c'est marrant. You okay? Je crois que c'est les trucs en ferraille là, tu sais. Qu'on mettait au Moyen-Âge. C'est les trucs en ferraille qu'ils mettaient sur les tenues. This is like medieval talk. Pourquoi il a fait pour rentrer là-dedans déjà? Attends, c'est déjà arrivé pour rentrer là-dedans. Ah, mais je pense que c'est comme un t-shirt, c'est toujours plus facile de rentrer que de ressortir. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce, elle l'habille en quoi? Comment elle l'habille? Qu'est-ce qu'il fait? Il va monter dessus. Oh, putain, 10 000 mètres le truc que j'ai senti là. Oh, il va surfer sur la meuf. Ah, mais attends, comment ça va se passer? Parce que moi je la sens mal cette histoire. Oh! Ah, il y, y a une planche en bas, d'accord, j'avais pas vu. Mais je touche pas la meuf. Elle s'étouffe pas, elle a pas l'eau dans la tête, elle a pas la tête dans l'eau, mon mot. Mais c'est trop stylé. Oh putain, je croyais que j'allais prendre le truc avec. Je crois qu'elle m'a goûté dans l'épaule, hein. Enfin dans les côtes. Ah, dans les dents. Ah. Désolé, elle a des chicots de Dracula, mais elle va en plus. Ah, ça va le réveiller là! Vas-y, il est en train de se filmer! Il est filmé! Non, c'était une GoPro! Ah, les boueurs qui galèrent! Oh, il a réussi quand même! Non, attends, il galère! Il a tué la poubelle! Attends, il est en train de galérer! Je crois qu'il va prendre la poubelle, il va dire allez hop, je la jette dans, avec le tout, tu vois, il va mettre la poubelle dedans, frère! Je crois qu'il vient de commencer le muskin. Il a fait toute la poubelle. Oh, le mec, c'est ce qu'il a dû faire quand il a mis la poubelle dedans. Il a dû regarder à gauche, à droite, si personne l'avait vu, il est parti, j'en suis sûr. Bon, ben voilà les frérots, j'espère que cette petite vidéo avec ces petits fails vous a énormément plu. Voilà, moi ça me fait penser un petit peu cette série, un peu aux vidéogags qu'on regardait à l'époque sur TF1 et tout ça. En tout cas, voilà, si vous kiffez toujours autant regarder des petits trucs comme ça avec nous, des petites compilations, n'hésitez pas à liker cette vidéo. On se retrouve très très bientôt pour une suite, pourquoi pas, qui sait, demain pour une suite, si vous êtes chaud, si vous êtes chaude. On se retrouve demain, Inch'Allah, prenez soin de vous et d'Alifa, c'était Momo et Tonton. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous. Ciao tout le monde. Ciao. Gaming Extreme. Pouce bleu, yeah.